Y aura-t-il un bus ou un train pour aller travailler à Limoges? C'est la question que se posent chaque jour Christophe Rodriguez et son épouse. Parfois, il y a l'aller mais pas le retour. Le lendemain, il y a le retour mais pas l'aller. Depuis près d'un mois, le trajet domicile-travail est plus stressant que le travail lui-même. Ils disent toujours aussi qu'on a l'appli Internet ou toutes les applis SNCF. Et puis, quand on regarde, finalement, les trains, ils n'y sont pas, ou les bus, ils n'y sont pas. Donc on est au travail, on se dit mince, il est 16h, on fait quoi là? On va voir à la gare et on quitte le travail plus tôt. Donc c'est pas gérable. Depuis quelques jours, un bus passe assez régulièrement à 6h40, mais le TER du retour s'arrête à la souterraine. Le plan de transport concocté par la SNCF a bien prévu des taxis, mais lorsque Magali Rodriguez a voulu réserver... On lui a répondu, mais on ne dessert pas l'Espagne. Donc là, je vois qu'elle a été quand même scotchée. Et voilà, ne pas savoir qu'il y a une gare Saint-Sébastien en Creuse, en Nouvelle-Aquitaine, ça montre bien qu'on est vraiment quand même très oublié. Une situation finalement à peine plus ubuesque qu'en temps normal, car à Saint-Sébastien, les liaisons s'effilochent, à l'image des vieux logos d'une gare où même les TER se font rares. Mais il s'arrête à la souterraine et il fait demi-tour. Et de l'autre côté, en région Centre, c'est pareil. La région Centre arrête ses trains à Argenton. Donc on fait partie d'une zone de 50 km qui est moins bien desservie en termes de desserte. Et on nous dit, ah mais il n'y a pas d'argent pour prolonger vos TER. Par contre, la région a quand même trouvé 2 millions d'euros pour financer l'hyperloop. De quoi agacer un tantinet les défenseurs de la gare et leur inspirer une petite carte de vœux à l'attention de tous les élus.